Tor in 12th, Florian Venturi in 13th, Gillian Lay number 2014 is 14th, and Saul Robinson in 15. Quelle course avec un coup de théâtre à la fin du 17e tour qui a vu le leader rentrer directement, emprunter la voie de décélération pour rentrer directement en parc d'arrivée. Eh bien, il a continué sur sa lancée puisqu'en fait, il y a eu une rupture de la chaîne. Donc, il a profité de l'élan de son châssis pour rentrer directement. Je pense que du côté d'Oliver Hodgson, il va y avoir de la grosse peine parce qu'en fait, la victoire à la régulière ne lui aurait pas échappé tellement il avait une avance importante qui, à ce moment-là, était de 4 secondes 6 dixièmes. Ça a fait le bonheur du Britannique Hugo Ellis, le 303, qui remporte cette pré-finale devant le Portugais Andri Pitz, le 359 secondes. Troisième, l'Hollandais Mac Bartels, le 237, quatrième, le Français Joël Deptuch, le 350, suivi par un autre Français, Giacomo Napolitano, le 211, qui est 5e. 6e, l'Allemand Marco Pol, le 232. 7e, le Portugais Diogo Pinto. 8e, le Britannique Mark Litchfield, suivi de deux autres Britanniques, Danny Kerle, 9e. Et 10e, Jordan Brown Nutley. Ensuite, nous avons 4 pilotes français. David Baumann, le 229, 11e. Benjamin Salvatore, 12e. Florian Venturi, 13e. Et Gillian Lay, 14e. 15e place pour le Britannique Saul Robinson. Et c'est Hodgson qui a réalisé le meilleur temps en course en 55 secondes, 323 millièmes. Je pense que du côté d'Oliver Hodgson, eh bien, il va y avoir beaucoup de tristesse. Il était en train de faire un super truc, malheureusement. La loi de la mécanique, on a décidé autrement. Ce sont les juniors qui sont en pré-grille avec en première ligne le Français Victor Martins, le 57 qui est accompagné par le Britannique Callum Bradshaw. En seconde ligne, Sam McDonald et Jacques Bémin, le 171, une ligne, me semble-t-il, entièrement britannique. En troisième ligne, Oliver Clark, le 49, et Oliver York, le 3. En quatrième ligne, Dennis Hauger, le 51, et Owen Biatt. En se les occupants de la cinquième sont Tyler Chesterton, le 198, et Gillian Orion, le 33, qui est ce pilote à l'extérieur de la cinquième ligne. En sixième ligne, Chris Lulam, le 160, et Louis Westover, le 161. En septième ligne, le Français Milan Petelet, le 114, accompagné par le numéro 4, l'Espagnol Kylian Meyer. Huitième ligne avec le Belge Hugo De Wilde, le 27, le 84,
l'y accompagne. C'est un Belge également, Charles Wirtz, le 84, Dick You, le 71. Prend le départ à la corde de la 9e ligne à l'extérieur, Tour Stallmans, le 53, 10e ligne, Arnaud Malizia, le 17, et Xavier Dias, le 184, deux pilotes français. Derrière la 11e avec Harry Platten, le 141, et Ben Waldridge, le 47, sont en 12e ligne, Cooper Webster, le 136, et Axel Laflamme, le 157, en 13e ligne, Sutumno Tanapongpan, le 135, Anthony Famularo, le 82 également. En 14e ligne, Franck Chapard, le 134, et Martin Hébette, le 121, sont en 15e ligne. Alessandro Cironetti, le 190, et aussi Peltola, le 42. 16e ligne avec Morgan Porter, le 46, et Carlos Saval-Martin, le 186. Et en 17e ligne, Rens Van Pel, le 19, et Ethan Tan, le 123. Time for the junior final. Shouldn't be the worst race we've seen this week. Probably the show will be hot and the race hotly contested. With Victor Martins on pole, the French who dominated the pre-final, and Callum Bradshaw will start alongside after the young British had to cope with the competition of his fellow British junior Sam McDonnell, Jack Maybin, Oliver Clark, Oliver York. Then it was the driver from Norway, Dennis Hauger, who will start from the inside of row 4 alongside Owen Bayat. 18 tours pour cette finale junior, dont le départ vient d'être donné par l'extinction des feux rouges. All shot pour le français Victor Martins, le 57 devant. Alors Bradshaw n'a pas réalisé un bon départ. C'est Sam McDonnell, le 48, qui est à la seconde position. Bradshaw est en cinquième position actuellement. La troisième position est occupée. Oh là là, quatrième position pour Oliver York. Ça, c'est une certitude. Bradshaw à la cinquième position. Ce serait Oliver Clark en troisième position. Et Jean-Pierre, en tout cas, vous avez vu, il y a du public aujourd'hui au Mans. Il va falloir qu'on soit très bon. On va rien changer, nous, toujours. On va rien changer, Jean-Pierre. Yeah. Et on ne lâche rien comme leader Victor Martins. Victor Martins is the leader of this race. In this X30 junior category, we had an American winner last year. So, of course, if we want to hear La Marseillaise, it's all in the hands of Victor Martins, the French driver supported by the FFSA in his career, for his career. Driver who finished third in the European Championship of the OKJ category, but 57 has to push hard. Oh, he made a slight mistake there, Victor Martins. And of course, the Brits are there. The Brits are there to take the lead if he makes another mistake. That would be a shame, of course, for France. But we've got so many Brits just behind him. One, two, three, four, five, six British drivers want victory. Voulez-vous savoir qui a réalisé le meilleur temps dans ce premier tour? Le leader. Non, Oliver York. Incroyable. 57-933, il est en troisième position. Changement concernant la position des leaders occupée par le Britannique Sam McDonnell, le 48 devant le Français Victor Martins, le 57 en seconde position. Nouveau passage avec Oliver York qui est à la quatrième position. C'est Oliver Clark, le 49, qui est en troisième position. On tire un trait, c'est plus bon, c'est le Français Victor Martins qui est aux commandes devant le 49, Oliver Clark. Victor Martins qui a derrière lui Clark, il a derrière lui Sam McDonnell. McDonnell, oh là là, il est en train de rétrograder d'ailleurs. Il a été troisième position pour le 48 maintenant. Sam McDonnell toujours derrière McDonnell. Aurions-nous Oliver York? Ça change encore.
Ouais, difficile à dire. Jean-Pierre, on va peut-être attendre qu'il revienne pour en être sûr. The situation is one French in the lead, and so many Brits to chase the French in this final incredible race. Oh, and the new leader there in the paddock SS. Who is the new leader? A young driver for sure, a British driver. That's almost certain. Yes, it is Oliver Clark leading, but Victor Martins claims the lead again. He retakes the position. So there is a story to tell in this race. It's Oliver York. Oliver York set the fastest lap in the qualifying sessions. Then he was excluded from qualifying for technical infringement, so he had to start all the heats from the back of the grid, and he managed to qualify for the final all the same. And then he, of course, he recovered again in the pre-final, and now he's fighting for victory in the final. But in this final, with 15 laps to go, well, we still have our French driver. C'est Clark. No, it's a French driver in fourth position, and Clark fighting for victory. Oui, bon, ça change tout le temps. Allez. Oliver York qui a pris les commandes, ce numéro 3. Pilote britannique devant un autre pilote britannique d'ailleurs, Oliver Clark, le 49, qui est à seconde position. Troisième position pour un autre britannique, Jack Mabille, le 171. Owen Biatt, le 74, également britannique, est à la quatrième position. C'est changé. Ah, c'est Mabin qui a été passé par Biat et passé par Victor Martins. Ça change de nouveau. Toujours Oliver York qui est aux commandes devant Oliver Clark, le 49 en seconde position. Nouveau passage. Allez, on gomme, on efface tout et on recommence. Yes, and we've lost one of the favorites, or... Not really, but he's in P17, Chris Lulham, unfortunately, who fought at the front of the heats for 2 or 3 days, and he's only running in P17 at the moment, so the battle continues for the lead. Difficult to explain exactly what happens, because just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 drivers are grouped in less than 2 seconds. Moins de 2 secondes, 11 pilotes qui passent pendant ces 11 secondes, ces 2 secondes seulement, jusqu'à Hugo de Wilde qui est en 11e position. Roman, une bonne nouvelle. Victor Martins en seconde position. Enfin, une bonne nouvelle. Troisième position, oui. Troisième position, Oliver Clark. C'est Oliver York qui mène la danse. Mabin est en la quatrième position. Cinquième position maintenant, Biat. Alors, une surprise, c'est Callum Bradshaw quand même. Il est passé en 9e position. Et là, dans l'actuel, il est en 3, 4, 5, 6, 7e position. Et là, il a repris 2 places vis-à-vis de son passage devant la tour de chronométrage. Mais il est loin de ce trio de tête. Changement de leader. Callum Bradshaw overtakes 2-3 drivers. 3 drivers in succession at the same or in 2 corners. Incredible what Callum Bradshaw just... succeeded to do in this lap. He went from P7 on 8 to P5. C'est incroyable. Alors, 3 premières positions pour 3 Britanniques. Oliver York dans l'ordre. Oliver Clark, le 49 en seconde position. Jack Mabin, le 171 en troisième position. Quatrième, Victor Martins. Qui a derrière lui Callum Bradshaw en cinquième position. Owen Biatt est juste dans le pare-choc de Bradshaw, il est en 6e position. 7e position pour Tyler Chesterton. Sam McDonnell est à la 8e position. Nous avons 7 pilotes britanniques dans les 8 premières positions. Il faut quand même souligner qu'on a le pilote qui était 130e et dernier après les essais chrono, ouais, qui est premier dans la finale. Quand même. Ça, c'est incroyable. Il partait toujours 33e. Voilà, et il était donc... Il terminait dans les top 10 à chaque fois. From position 130 approximately, well, last after the qualifying practice, this driver is running in P1 in the final. And this is an fantastic exploit for this British driver number 3. But of course, victory is not there yet for Oliver York. He has to cope with a very strong competition. Victor Martins, qui est passé en 7e position. Là, ça va être difficile maintenant pour aller jouer les trouble-fêtes devant. Il y a Gillian Orion, qui est passé en 12e position. 2 Français dans les 15 premières positions. Mais alors, si on fait le compte chez les Britanniques, il y en a 2, 4, 6, 8,
10 pilotes britanniques dans les 15 premières positions. C'est énorme. Énorme. Là, il faut se préparer à God Save the Queen, Jean-Pierre. So we have we are ready to play God Save the Queen with six British drivers in the top six position and 10 in the top 15. And so the leader now is still Oliver York in P3 ahead of Oliver Clark. You have to be named Oliver to be in the top two position, and Bradshaw up to P3 at this moment of the race. Up to P3 with Owen Byatt behind him and Jack Maybin. It's always changing, so I think we should go to cross the channel more often to watch the British races, because if it's just as spectacular as it is today, it must be incredible to watch races there on the other side of the channel in Great Britain. But it will be difficult after the Brexit, but anyway. Allez, toujours Jean-Pierre. Oliver York. C'est dommage qu'il y ait un Brexit de prévu, parce qu'on irait bien voir des courses en Angleterre quand même. Le numéro 3 qui est suivi toujours par Oliver Clark, le 49 en seconde position. Il vient de passer Callum Bradshaw, le numéro 2 en troisième position. Owen Byatt, le 74 en quatrième position. Il a derrière lui Jack Maybin, le 171 en cinquième position. Derrière Maybin, Tyler Chesterton, le 198, et qui est à la sixième position. Hugo de Wild, le Belge, au numéro 27 en septième position. Bien revenu, il était 11e tout à l'heure. Oui, il est loin d'être battu. Il va faire le maximum. Il est en train de prendre la direction du banking actuellement, ce numéro 27. Ben Waldridge, le 47, 8e. 9e, Sam McDonald. Louis Westover, le 161, 10e. 11e position pour le premier des Français, Gillian Orion. Et si Hugo de Wild ne nous sauve pas l'affaire, nous n'aurons que des pilotes britanniques sur le podium. Et il y a 5 places, ça pourrait être 5 britanniques. Mais peut-être que Hugo de Wild va faire le nécessaire. So maybe Hugo de Wild will save the podium from a top 5 finish for the British drivers. We have 5 steps on this podium and maybe it will be all 100% British. 1, 2, 3, 4, 5. It is the case at the moment with Oliver York, all the way from the last position after qualifying practice, after he was excluded from qualifying practice. Oliver York did the job during the heats to recover and to qualify in midfield for the pre-final, and now he's leading the final. Can you believe this? Oliver Clark is all around the back of Oliver York at the moment. So, of course, Oliver Clark is able to, overtake his compatriot, the other British driver in front, in the last, well, we will say 7.5 laps to go. Pas de changement pour les deux premières positions, pour la troisième non plus. Oliver York devant Oliver Clark, plus loin nous avons Callum Bradshaw en troisième position, mais du changement pour la quatrième position, c'est Jack Maybin, le 171 qui occupe cette... plus du tout. C'est le 74, Owen Byatt qui l'a reprise, sa position. Oh là 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 là, un accrochage! Oh là, trois pilotes! Oh, what a shame! Jack Maybin. Oh, what a shame, Jean-Pierre, we've lost some of our young drivers at the outside of first corner. They came together, they collided, and one of them is able to restart. I think it's Jack Maybin. Oh, Jack Maybin has lost his an opportunity to be on the podium today, and the other one, well, I don't know, maybe, yes, it's Byatt Owen. Oh, terrible, terrible mistake. I don't know who's, but if it's Jack's fault or Byatt's fault, we never know, and we don't know anyway. So the result is that these drivers are not going to be on the podium, but we still have Oliver and Oliver. À mon avis, il y a deux Oliver qui se battent, ça doit être pour faire plaisir à Olivier Seb. Allez savoir. L'avantage pour York, toujours, s'il va chercher la victoire, Oliver York, franchement, moi, je lui tirerai mon chapeau. Mais vous n'avez pas de chapeau. Non, il est chez moi. Oliver Clark est toujours à la seconde position. Il est dans son pare-choc. Regardez, c'est mano à mano. Pas d'attaque et ils ont raison. Non, non, mais là, je vois, il y a des gens qui font signe. Pas d'attaque, sinon si tu attaques, tu perds du terrain. Yes. Mais regardez qui est en cinquième position maintenant. Ah, il la reprend. Gillian Orion. Premier des Français. Victor Martin n'est pas loin. Il reste 6 tours quand même, un peu moins de 6 tours. Il peut se passer encore bien des choses. Je ne le souhaite pas pour ceux qui sont devant, bien évidemment. Quoique, on a pu voir que Maybin avec son compère se sont accrochés dans la courbe du module de 24 et malheureusement sont très très loin maintenant des positions qu'ils ont piquées au préalable. Il y a un team manager là qui est en bas là. Il fait ce qu'il faut. Hein.
Il n'y a pas de problème. Si Oliver York et Oliver Clark le regardent bien. Hugo de Weed, qui est en troisième position. Oh, up to P1, 2, 3. Hugo de Wild is doing a great job to recover from P15 on the grid. The young Belgian, 13 years old. Oh, Hugo de Wild, after a strong performance in Genk in the European Championship OKJ, the last race on home soil, he finished in 8th position. So now in Eck 30, of course, he wants to forget his disappointment of last year when he was fighting for top 10 and he had a collision in the first lap in the first quarter. So Hugo de Wild now is running in P3 after overtaking Callum Bradshaw. So Hugo de Wild, remember, he was the fastest in qualifying practice. He did stronger results in the heats and now he's fighting for a podium finish. Oliver York toujours devant Oliver Clark, c'est-à-dire le 3 devant le 49. Hugo de Wild, le Belge, au numéro 27, il est à la troisième position. Il est suivi comme son ombre par le Britannique Callum Bradshaw, ce numéro 2 qui est juste derrière lui en quatrième position. Cinquième position pour Gillian Henrion, le premier des Français. Derrière Gillian, il y a Sam McDonald, le 48, qui est à la sixième position. Kylian Mayer, le numéro 4, ce pilote espagnol qui a pris le départ en 14e position. C'est pas mal d'être en 7e position actuellement. Victor Martins est à la 8e position, 9e. Milan Petelet, Waldridge étant le 10e larron. And we have a look, of course, at the two Olivers. Oliver York, Oliver Clark. And Oliver Clark is playing it safe at the moment, it seems. Huh? Oliver York is having a look behind with three laps to go, and Oliver Clark seems not to be willing to overtake right now, but York thinks maybe he could try something so he defends his leading position. So the Fusion Motorsport driver number 3 is still leading the race. The driver who was 10th in the Academy Trophy 2 years ago, who was a British champion in cadet in Yame and Comer cadet, now is running at the banking. And Oliver Clark, yeah, Oliver Clark goes through. Oliver Clark is the new leader after so many laps with Oliver York in the lead. Now it's Oliver Clark leading the race and Oliver York overtaking the other British driver and Callum Bradshaw. Callum Bradshaw is back. Callum Bradshaw is back in second position to challenge for the victory. With three laps to go, two laps to go, Jean-Pierre. Oliver York toujours commande devant Callum Bradshaw. Troisième position pour Oliver Clark, le Belge Hugo de Wild. Il est dans le coup, il est à la quatrième position. Et puis derrière, on est plus loin avec Gillian Henrion toujours en cinquième position. Il est en position isolée. Mais maintenant, c'est devant que ça se passe avec Oliver York devant Callum Bradshaw. Devant Oliver Clark en troisième position. Le Belge est dans une bonne position, je trouve, en quatrième position. Parce que là, les Britanniques, à mon avis, ils vont s'arsouiller. Et oui, est-ce qu'on aura la Brabanson au lieu de God Save the Queen? Est-ce qu'on aura la Brabanson avec Hugo de Wild là-bas qui passe dans les banking en deuxième position? Fantastique effort de Hugo de Wild. Fantastic effort of Hugo de Wild after the British did a strange job at the banking. And so it's Oliver York still leading. But it's not the finish yet. No, one more lap to go after these drivers come through the finish line, come across the finish line. So Oliver York now with a small gap, but could be enough with Hugo de Wild in second position. Callum Bradshaw is slipstreaming the Belgian, and Callum Bradshaw can find a way through the Belgian to be on second in second position at the moment. C'est le dernier tour. Un Belge contre quatre Britanniques dans ce dernier tour. Oliver York qui est en première position. Second, oui, Gillian Henrion qui a effectué la jonction. Il est à la quatrième position, Gillian Henrion. Quel retour! Eh oui, il était prévu que, bien évidemment, ils allaient s'attaquer mutuellement, les Britanniques. Et bien voilà ce qui s'est passé. Le retour du Belge, Hugo de Wild. Le retour du Français, Gillian Henrion, qui est à la quatrième position. Et le retour de York de la dernière place aux essais chrono à la première place dans cette finale. Oliver York from last in qualifying practice to maybe the victory after this last corner for Oliver York. The British drivers win the junior race here in Le Mans. The Fusion Motorsport drivers win in ahead of Callum Bradshaw and Oliver Clark. It's a British 1-2-3. It's gonna be God Save the Queen
ahead of Gillian Orion, who made a fantastic effort to recover at the end of the race. Gillian Orion in fourth and Hugo de Wilde, fantastic, in fifth position for the Belgian. He'll be on the podium with the French and the three British. Sam McDonnell in sixth, Milan Petelet for France in seventh, Chris Lulham up to P8. A great race too for this other younger British driver. Kilian Meyer from Spain in ninth and Tyler Chesterton in P10. Jean-Pierre, what a race, ami public! Moi, je peux vous dire que j'ai attrapé la transpiration. Quelle course, quel week-end d'Oliver York. On n'a plus un poil de sec. Ça, je ne suis pas allé voir encore. Oliver York, qui aura été magique, phénoménal. Franchement, cette victoire, il ne l'a pas volée du tout. Dernier au chrono, c'est-à-dire il était 130e.